Avec la presse, les 30 tout de suite. Je vais essayer de vous le faire à la façon d'Antoine pour montrer que je peux faire des textes aussi abscons que ceux d'Antoine, moi aussi, quand il s'agit de musique, vous allez voir. C'est donc avec les mêmes transports de joie et de gratitude que les personnages du film de Claude Lelouch, quand ils voient débarquer après 4 ans d'occupation les alliés de Normandie, que tous leurs fans ont accueilli en octobre dernier la sortie, après 3 années de silence, le Flame Job, le dernier album des Cramps. Un disque ébouriffant qui décoiffe, enfin qui décoiffe pas trop quand même, et où on nous retrouve nos amis Lux et Ivy, bien dire Ivy, c'est marqué bien dire Ivy, dans une forme éblouissante, aussi bien sur des incunables de Junior Thompson ou Slim Harpo que sur des compositions originales du tonneau de celles qu'ils nous font le plaisir d'interpréter sur ce plateau et nulle part ailleurs, Ultra Twist, les Cramps. Oh,
La seule façon d'en entendre plus, c'est d'aller demain soir au Zénith, puisqu'ils seront en concert demain soir et rien que demain soir. C'est au Zénith, donc. Alors, Claude, je vous présente celle que vous venez de voir à la guitare, qui est ce poison d'Ivy, Poison Ivy, et le chanteur, qui est... Si vous aviez moins gigoté, vous seriez moins fatigué, qui a pris ce joli nom pour un Américain de luxe intérieur. Vous voyez qu'il même là-bas, on connaît le latin quand même. Vous êtes les deux fondateurs des Cramps. Yes. Well, all oui. Parlez bien dans le micro. All four of us. Oui, tous les quatre. Tous les quatre. Et ça fait 19 ans que vous êtes tout le temps ensemble. That's 17 years, I think. En fait, 17. 17. Enfin, je suis new in the group. I was just born a few Je suis nouveau dans le groupe. Oh, je suis né seulement il y a quelques années. Oui. Mais c'est exceptionnel qu'un groupe dure aussi longtemps et donne l'impression de s'amuser toujours autant. Ivy? Well, the music we play is very exciting. Vous savez, la musique que nous jouons, elle est très excitante. Nous faisons ce que nous faisons, ce que nous aimons, et nous ne pourrions rien faire d'autre. Il n'est pas obligé de manger le micro, hein. Luc, il a déjà cassé un là-bas, donc si... Vous ne les connaissiez pas du tout? J'en avais entendu parler, si, alors, j'en avais entendu parler. il paraît, Laurent Chalumeau, qui est l'autre spécialiste avec Antoine, m'a dit tout à l'heure qu'on les appelle les antiquaires du rock. The antique dealers of rock. Les antiquaires du rock. Non, côté collectionneur. We've been called dealers before. Avant, on nous appelait les dealers, mais pas antiquaires. Non, mais... The Cramps make tomorrow look like yesterday. À mon avis, les Cramps, ils seront aussi bien de demain que d'hier. Ah, mais j'ai pas dit que vous étiez antiques, c'est des vieux. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes des collectionneurs de tout ce qui a fait le succès des années 60. Vous collectionnez les films gore. Vous avez combien de singles des années 60? We have thousands of records. Oh, des milliers, des milliers. From way back, I mean from the 20s. Nous avons même des CD des années 20. Tout un paquet de CD. Et combien de voitures? Just two cars. Deux voitures seulement. Ah, deux, parce que je croyais que vous collectionnez aussi des voitures anciennes. No, we just non. We have two cars. We collect models of cars. Deux voitures, mais par contre, les voitures modélisées, oui. Lux, mais vous vous servez de tous ces singles depuis les années 20 ou des films gore pour vous inspirer pour vos compositions, les paroles, les musiques? Oh yes, yes. Oui, oui. More from the surrealists from the turn of the century. Surtout les séries du début du siècle. Et c'est ça qui vous amuse le plus, c'est le côté clin d'œil en permanence, et dans la musique, et dans les textes. Ce qu'on aime, c'est tout ce qui est de merveilleux qui est apparu dans l'histoire, et on les réutilise, on les reprend, mais de façon différente, un petit peu comme les surréalistes l'ont fait. C'est une façon de garder les choses vivantes, mais en même temps de faire quelque chose de nouveau. Jackie a un mot à dire. Jackie. Oui, les téléspectateurs nous appellent pour dire dans votre collection combien avez-vous de films de Claude Lelouch. Et une dernière question. Il paraît que ça vous fait beaucoup rire, Ivy, quand on dit que le grunge a redonné du nerf au rock, a ramené le rock dur, un peu brutal. Il paraît que vous, ça vous fait beaucoup rire. Vous n'avez jamais cessé. Yeah, I think grunge just brings back ressuscite les années 70, 75. At least it's guitar, but it's not very rockin'. Bon, ça a l'air d'être un petit peu plus dur, mais en fait, non. No more bell bottom bummers. Plus ce genre de bell bottom bummer. C'est pour ça qu'ils sont toujours, ils ont toujours été à la mode et qu'ils le seront toujours, puisque comme ils l'ont dit tout à l'heure, ils sont par-dessus les modes, et pas besoin du grunge. L'album Flame Job, les Cramps, et puis demain soir au Zénith, et merci d'être venu à Nulle Part Ailleurs.